Bonsoir à vous, amis téléspectateurs de la 54. Nous sommes à l'heure de Écho des Arts et c'est toujours le même plaisir de vous présenter votre émission culturelle du soir. Alors, à travers la rubrique Artisan, nous avons reçu Sarah Adolphe, une jeune créatrice de mode. Également ce soir, nous allons parler de mode, de tendance beauté et de nouveaux looks qu'utilisent les femmes d'aujourd'hui pour porter leurs extensions. Je vous invite donc à rester branchés, la Télépacifique. Nous serons de retour pour le développement de ces points. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télépacifique chaîne 54 vous fait vivre l'écho des concerts, spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème. Toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Nous voilà de retour pour développer les points précédemment cités à l'introduction et nous commençons avec la rubrique Artisan qui consiste à mettre en valeur le travail de nos créateurs et artisans en Haïti. Et de cette optique, nous avons rencontré Sarah Adolphe, comme je l'avais précédemment cité, une jeune créatrice qui confectionne de très beaux sacs à main. Je vous invite donc à suivre la rubrique Artisan. C'est même ça pour Rubrique Artisan, nous t'ai rencontré Sarah Adolphe, une jeune créatrice passionnée de travail. Dans Tichita Palais, nous t'ai fait avec elle, t'ai profité, expliquez-nous début l'inan ça qui gagne avec artisanat et culture haïtien. Moi, je suis Sarah Adolphe et moi, j'ai une compagnie d'artisanat qui est sacré. Moi, je suis créatrice d'accessoires de mode, principalement. Moi, je fais sac à main, moi, je fais porte-clés, moi, je fais bracelet en cuir. Et moi, je fais aussi des objets de décoration comme des pots en argile. Je fais peinture sous pots en argile. Donc, en gros, c'est le travail que moi, je fais. Bon, en dehors de sacré, moi, c'est étudiante en gestion des affaires à l'université Quisqueya. Et à côté, moi travaille en administration, moi travaille en tant qu'interprète. Mais ça que c'est vraiment activité que moi aimais, c'est vraiment activité que moi aimais gagner comme mon travail à temps plein. Donc c'est ça m'a baissé réaliser qu'on y a. C'est de maman que moi joigne attirant ça pour l'art. Parce que l'homme te gagne environ 15 ans, maman te commencé à faire peinture. Il commencé à faire des toiles, il commencé à peinture sous foulard, sous maillot, sous bouteille. Et c'est là que je commencé à travailler avec lui. Et puis il commencé à passer un peu plus au sérieux, il a acheté matériel de couture, il a acheté matériel de peinture. Et puis moi-même, moi commencé à suivre lui jusqu'à ce que maman quitte ça. Il n'y a pas continué l'activité encore et puis c'est moi-même qui prends la relève. Oh. C'est plus un passe-temps qu'on travaille vraiment. Et quand j'ai peut-être 3 ou 4 ans depuis que je décide que je fais de sacré en compagnie, côté que je aimé promouvoir l'artisanat, culture haïtienne. Donc depuis environ 3 ou 4 ans, je suis vraiment concentré sur ça. En de sacré, il y a un paquet de belles œuvres, l'une différente de l'autre. Une caractéristique de l'œuvre, c'est Pit. Yon zouti ke Sarah itilize en pile nan konsepsyon valiz yo. Kre vini don kompozisyon de nom, sa kre ve di Sarah Adolphe Kreasyon. Mwen te vle yon nom ki yon tijon orijinal, ki reprezante ki sa mwen men, ki sa sa reprezante pou mwen. E mde touve ke sa kreyan te tre eksplikatif. Pwase ke tout sa mwen fe pou mwen se yon kon go valyon nan zyon. Se son de pes kaziman sakre pou mwen. Chaque barre que moi vends, c'est un barre qui sacré pour moi, c'est un peu son petit bébé qui fait. Et chaque monde qui a son pièce, même moi considère que son monde qui sacré parce que il va réaliser le lien à son pièce, même à qui point ça a une valeur, parce que non seulement il peut mouvoir culture la caillou, mais aussi il aide un petit artisan, un petit travail, il aide des compagnies à avancer. Donc, composition non sacrée, je trouve que il est très bien représenté qui ça moi voulais, qui ça moi fait, qui ça travail à représenter pour moi. Moi, avant moi stabiliser sous ça moi fait kounya yo, moi t'ai passé plusieurs états, moi t'ai essayé plusieurs produits. Moi j'ai essayé des bracelets en cuir tant pour ça. Moi fait peinture sous maillot, peinture sous foulard. Moi fait peinture sous bouteille.
Quand je fais peinture sur peau en argile, sur vase, je fais des sacs à main, confection et peinture sur sac à main, sac de plage, sac de soirée, sac en bandoulière, en cuir, en vinyle, sacoche, trousse de maquillage, en tissu. Donc, ce bagage que je fais, je peux dire que c'est vraiment varié. Je vais présenter des sacs en bandoulière à me faire avec pit et cuir vinyle. Je vais présenter des sacs de plage faits en jute et en cotte pit. Je vais présenter des trousses, des sacoches, trousses de maquillage qui fait en tissu et en perlage. La collection que je fais avec sortir en vent, qui était les pochettes et les sacs en bandoulière en pit et en cuir, comme je vais coller un nom pit collection. Parce que c'est la première fois vraiment que je travaille avec pit. Moi, j'ai décidé vraiment de mettre en évidence et puis c'est là que j'ai sorti le nom qui pour rappeler exactement qui sa pièce est représentée et qui ça a fait. Artisan yo travail en pile dans ça qui gagne avec reproduction. Ça qu'arrivé ou est des pièces qui semblent. Mais Sarah considère réserve yo comme un travail unique. Elle était tout profiter de nous ça lui penser des arts haïtiens. Je pense que les pièces que je fais sont originales. Dans la mesure où je ne connais aucun autre designer qui fait des pochettes, par exemple comme je l'ai fait avec pitla, que j'ai combiné avec paillettes ou bien dentelle, toile africaine. Et en plus, en pile de designer qu'on a eu, ils ont confectionné des modèles qui probablement existaient déjà, parce que nous avons pile plage en artisanat haïtien, sans nous pas mentir. Mais moi-même, j'ai toujours fait en sorte que m'apporter une touche personnelle. Ça veut dire que j'ai confectionné ça et puis j'ai fait peinture dans le soleil. Tu vois, moi pense que moi un petit genre original dans les matières que j'utilise, j'aime combiner. Moi pas gagner des employés permanents. Moi j'ai des monde que moi contracté qui travaille pour moi selon une période. Par exemple, moi j'ai couturière qui là, moi aller dans un atelier d'un designer qui connu ici. Qui mettent atelier à disposition. Donc, moi, j'ai un atelier avec les couturiers qui sont là, que l'homme gagne des collections des pièces que m'a préparé, moi, aller dans l'atelier en préparer. Le moi, gagne un vase que m'a préparé, moi, gagne un artiste qui vient aider, qui travaille avec moi, qui fait peinture sous vase, etc. Mais moi, pas gagne un employé qui permanent. Parce que, en fait, moi, pas vraiment gagne un atelier physique. Des fois, c'est là quand même travail. Enfin, en général, c'est là quand même travail. Sauf le moins doit aller pour confection sac yo, moi aller dans un atelier. Donc, quelques couturières, des artistes, un artisan qui fait perlage. En gros, oui, c'est mon ça que je travaille avec. Okay. Je pense que on est très riche artistiquement. Pays a gagné en pile ressources, on a gagné en pile talent parce que l'Haïti est vraiment très riche. Mais malheureusement, parce que les sous-exploités tout. Parce que les gens, au lieu de essayer penser à une nouvelle approche, penser à de nouveaux produits, ils ont plus penché sur plagiat, sur copier travail que on fait déjà. Tandis que nous tellement gagné de bain, nous avons fait, nous gagné imagination, nous gagné capacité, nous gagné ressources qui là. Et je pense que nous sommes capables de faire plus. Mais en même temps, je pense que nous avons une pile variété. Nous avons une belle pièce, nous avons un bon artisan, ça sans mentir. Ou quand nous mettons une pièce d'un artisan ici avec n'importe quel créateur étranger, ou pas qu'à dire ça, c'est haïtien. Je suis d'accord qu'on travaille bien, nous travaillons propre, nous travaillons belle. On écoute un gros projet Sarah gagné pour jouer à Vinilal. C'est un sacré à essayer. Continuer à trouver des idées innovantes. Parce que je ne voulais pas seulement arrêter de faire des pièces pour vendre. Moi, j'ai aimé faire un bagage qui est original dans la forme, dans la matière et faire un bagage qui est innovant pour me présenter au public là. C'est sur ça principalement mon travail. Mais en attendant, je fais sortir en ligne de sacoche, trousse de maquillage, que je fais en tissu africain et en perlage parce que je connais certains tissus africains très répandus ici. Je fais combinaison de perlage et tissu africain que je fais sortir. Mais après ça, pour la fin d'année ou le nouvel an de l'année prochaine, je vais penser à de nouvelles pièces que j'aime là, qui apportent un bail, qui est innovant, qui est nouveau. Mais toujours avec l'objectif de promouvoir la culture haïtienne, c'est-à-dire toujours avec, non seulement vous faites ici, vous faites pas des artisans ici, mais il faut que vous toujours gagnez un matériel que nous jouons en pile dans les ressources. Non? Donc, le pit là, que je vais utiliser en pile, code pit ou bien juste une toile pit là. J'espère qu'il y a un atelier un peu partout. J'espère
pas uniquement rester dans le domaine de l'artisanat ou bien des accessoires. Moi, j'espérais capable d'entrer dans l'habillement. Moi, j'espérais capable gain gros atelier, enfin gros en termes de capacité, que côté comme capable d'employer plusieurs monde, que ce soit des nécessités en Haïti ou bien à l'étranger. Moi, j'espérais comme capable et pas moi d'ici 20 ans. Bon, j'espère que ça crée à connu sur le marché international. J'aime spécialement remercier les gens qui étaient servis de mentor, tant que maman qui était le premier monde qui t'a montré la voie vers l'or. Et Maël David qui m'a beaucoup aidé, qui a appris un pile bagaille, qui a été très généreuse, très ouverte, qui sont des gens qui ont un pile pour le bail et qui ne peuvent pas bail, qui ne peuvent pas partager. Et tous les membres de ma famille qui ont toujours été là avec moi, qui m'ont toujours supporté, tous les amis qui ont toujours cru en moi. Moi j'ai des amis, moi sûr que tu l'as regardé, l'as connaissé de lui m'a parlé, par contre pièce comme ça tu peux pas gagner, quel que soit ça me fait aller gagner. C'est des bagages qui m'ont accueilli en pile, l'aurait que des amis comme backup qui toujours supporté, parce que comprendre qui passe difficile en Haïti, ils comprennent que leur compassion, chaque jour le vaut dit ma belle vague. Et puis de même quand l'autre porte qui ouvre et me dit bon peut-être que ma faute il était toujours, ma faute il continue toujours. Donc oui c'est très important pour moi de remercier les personnes qui m'ont toujours soutenu et monde qui toujours les fans ou les clients de Sacré qui toujours croient dans le travail gain le monde même le pas connaît qui trouvait que travail moins belle travail moins original qui toujours supporté donc m'a dit m'a remercier. Nous t'es content présenter où Sarah Adolphe artisan nous pour semaine ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié Sarah Adolphe et ses œuvres à sa juste valeur. Nous continuons cette fois avec la rubrique Ecofashion. Comme je l'avais dit précédemment, les coiffeuses et les esthéticiennes utilisent une nouvelle méthode pour mettre les rajouts sur les têtes de nos femmes. Suivez donc la rubrique Ecofashion. Vous êtes toujours demandé comment les stores faisaient pour passer du court au long ou du brun au rose en quelques jours et sans abîmer leurs cheveux? Désormais, ce n'est plus un secret pour personne. C'est grâce aux perruques. Fini les postiches mal fagotées qui donnent des allures de cheveux plastifiés avec une grosse démarcation sur le front et repérable à l'œil nu à plusieurs kilomètres. Les lace wigs, ces perruques tressées à dentelle indétectable, permettent une véritable liberté capillaire. Elles tendent de plus en plus à se confondre avec une coupe de cheveux naturelle. Pour parvenir à ce niveau d'authenticité, les lace wigs sont produites à partir de tulle, une matière qui fait corps avec la peau. Il s'agit d'une bande de dentelle qui imite parfaitement le cuir chevelu, raison pour laquelle on la qualifie d'invisible. Leur meilleur représentant est un coiffeur français, Raphaël Perrier. Il a été à 4 reprises champion du monde de coiffure. Il s'est spécialisé dans la création des perruques lace wigs naturelles et invisibles. Les lace wigs s'adressent à toutes les femmes d'origine européenne ou africaine, désireuses de porter une perruque sans en donner l'impression. L'objectif étant de modifier naturellement son visage selon les occasions et de gonfler le volume de ses cheveux sans artifice supplémentaire. Ces perruques ultra féminines conviennent aussi et surtout aux femmes n'ayant pas ou peu de cheveux et qui souffrent d'alopécie, un terme médical qui désigne la perte des cheveux ou des poils. Cette affection touche par exemple les femmes qui subissent un traitement contre le cancer, notamment la chimiothérapie. À celles qui douteraient encore de l'efficacité de ce produit, on obtient véritablement un effet 100% naturel, comme s'il s'agissait réellement de votre chevelure. Nombreuses sont les personnalités américaines notamment à avoir recours à ce type de procédé, dont John Travolta, Jamie Foxx, Beyoncé, Naomi Campbell ou Halle Berry. Ce sont autant de fans de la lace wig.
Aujourd'hui, la lesbienne est une véritable alternative pour les femmes afro, notamment au tissage ou aux extensions, qui en plus d'être extrêmement coûteux, ne permettent pas d'obtenir un effet aussi naturel. En outre, les lesbiennes suivent une nette tendance au perfectionnement au fil du temps, tant au niveau des matières que du toucher, de la coupe que du confort. Il existe jusqu'à date trois types de lesbiennes. La front lesbienne qui désigne les perruques dont la dentelle n'est présente qu'au niveau du front. La full lesbienne qui en est plus de posséder une botte de tulle sur le front, dispose une autre au niveau de la nuque. Et enfin, la roll-less wig, qui comme son nom l'indique, désigne les perruques bénéficiant d'une botte de dentelle répartie sur la totalité de la laisse. On peut coller la less wig à l'aide d'une bonne colle faite à base de collagène ou la faire coudre pour une plus longue durée. Alors mesdames, le choix reste très large et selon vos goûts. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition de Écho des Arts. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite de programmation sur la télé Pacifique.